Le mois d'août touche à sa fin et pour une bonne partie d'entre nous, les vacances sont déjà loin. Pour les professionnels du tourisme, la saison n'est pas encore tout à fait terminée, mais c'est déjà l'heure de tirer un premier bilan. Cette année, la fréquentation n'est pas exceptionnelle. Le beau temps de juillet a boosté l'activité, mais la météo maussade du mois d'août l'a ralenti. Ce soir, nous recevions Dany Deleval avec la présidente de l'Union régionale des métiers et des industries des hôtelleries. Nous sommes revenus sur une mesure très controversée chaque année, la piétonnisation de la Grand Place de Lille, qui n'a pas fait visiblement que des ravis chez les commerçants. On n'est pas si content que ça. Nous sommes aussi des commerçants et on comprend aussi les soucis des autres commerçants qui voient moins de monde passer devant leurs portes. Donc nous, les cafetiers, les restaurateurs, nous mettons des terrasses. Quand il fait beau, c'est sympa. Mais c'est vrai que la grande place, sans voiture et surtout sans terrasse parce qu'il ne fait pas beau, c'est un peu triste. Donc voilà, on aurait aimé que la grande place reste, voilà, qu'elle ne soit pas piétonne. Comme ça, on ne perdure pas quelque chose qui ne marche pas.